Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez on est au complexe sportif de Mareuil parce qu'il y a la fête nautique qui approche. C'est quoi la fête nautique? Donc la fête nautique, d'abord c'est prévu le samedi 5 août, ici. Dans la journée, nous trouverons donc le vide-grenier, une bonne partie de la journée, différentes animations pour les enfants comme des structures gonflables mais aussi de pêche au canard. Et les Olympiades du CME le matin et le clou de la soirée, ça sera donc le défilé des bateaux. Et alors, ce défilé des bateaux, c'est une grande tradition ici. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la municipalité fournit des radeaux et l'objectif, des particuliers ou des associations construisent presque une œuvre d'art qui est merveilleuse à regarder le long du lait. Et donc, pour que ce défilé soit une réussite, il vous faut plus de personnes avec des bateaux, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Donc, nous avons actuellement un certain nombre de bateaux. Qui ont été sélectionnés et malheureusement il nous en manque encore pour que la fête soit vraiment complète et meilleure quoi. Et plus jolie à regarder évidemment, plus il y a de bateaux mieux c'est. Et comment on participe alors, comment on s'inscrit? Mais il faut contacter la mairie de Mareuil et donc on aiguille les candidats, on leur fournit les radeaux, les radeaux de 3 mètres sur 3, où ils peuvent installer leur création sur le thème qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite au niveau du thème. Donc ils ont cet espace de 3 mètres sur 3 mètres sur un radeau, sur une plateforme, à eux après de créer et de prévoir. Et de prévoir aussi bien sûr les éclairages, parce que c'est ça qui fait qu'en pleine nuit, les bateaux sont extrêmement jolis à regarder. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge limite ou des conditions particulières à respecter? Oui, il faut avoir au moins 10 ans, c'est par rapport aux problèmes de sécurité, bien sûr, parce que les bateaux naviguent sur l'eau, bien sûr. Et effectivement, même si tout l'équipage possède un gilet de sauvetage, on y met quand même des limites. Donc 10 ans, c'est l'âge limite. Et ensuite, il faut aussi une attestation de savoir nager. Et bien, vous l'avez compris, si vous savez nager et que vous voulez rendre la fête encore plus belle, n'hésitez pas à postuler. Les coordonnées vont s'afficher juste en bas de l'écran. Et puis moi, je vous laisse. Je vais déjà aller admirer là où passeront tous les bateaux.